Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Freeze it. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien sur le cours Transition numérique et espace public. Nous allons aborder la première partie de ce cours après avoir fait une longue introduction sur les enjeux de la transition numérique et leur impact sur la société. Je suis Amar Lakel, enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne et chercheur en sciences de l'information et de la communication au laboratoire MICA. Cette première partie a pour objectif de vous donner un aperçu des transformations technologiques en cours du déploiement de l'infrastructure numérique dans le monde et dans notre société. Il s'agit de comprendre comment chacun des éléments technologiques sont des facteurs de développement et d'innovation sociétale et organisationnelle. Il ne faut pas imaginer la technique comme un dispositif imposant un projet de société ou imposant un projet organisationnel. En réalité, entre l'imaginaire, entre les objectifs, entre les projets concrets et les outils que l'on utilise pour se déployer, il y a un va-et-vient permanent. C'est pour ça qu'en sciences de l'information et de la communication, on parle plutôt de systèmes socio-techniques du numérique, imbriquant à la fois des imaginaires, des projets politiques, des projets organisationnels et des projets technologiques pour les mettre en effectuation. En fait, même l'imaginaire réagit avec la technologie. La technologie ouvre des imaginaires, mais l'imaginaire aussi anticipe sur la technique et dirige les projets d'innovation technologique. La transition numérique, en fait, c'est une façon de penser le monde. Une façon de penser le monde qui est directement issue d'une vision systémique de la société. Les théories des systèmes de l'information regardent la société comme un ensemble de traitements, de computations, s'échangeant des données et formant systèmes pour établir des processus. Quand on veut introduire le numérique dans une organisation, on a une grille de lecture qui va d'abord découper l'organisation en grandes fonctions. Dans chacune de ces fonctions, il y aura un poste. Chacun de ces postes aura un ensemble de process qui sont liés à ce poste de travail. Et chacun de ces process sont en réalité une succession de traitements. Dans l'économie de service particulièrement, qui est une économie fondamentalement informationnelle, les systèmes d'information sont une méthode pour analyser, pour modéliser les organisations de services, les administrations, les banques, les assurances, mais aussi le commerce, mais aussi toutes les activités de service telles qu'elles se sont développées pendant le XXe siècle. La numérisation a pour but d'apporter des gains de productivité notables, extrêmement puissants, à l'intérieur de ces systèmes d'information. Le gain de productivité repose sur une diminution radicale du coût de transaction. Un coût de transaction, c'est une mobilisation de ressources, bien souvent financières, divisée par le nombre de transactions que permet cette ressource. Plus une ressource permet d'augmenter le nombre de transactions, plus évidemment le coût de transaction va diminuer, plus vous allez avoir un gain de productivité. Or, on le sait bien, le nombre de transactions dépend à la fois de l'accessibilité de cette transaction, mais aussi de la vitesse d'effectuation de la transaction, multipliée par le coût des agents qui appliquent cette transaction. Donc on voit bien que, en attaquant à la fois la nature des agents, en les informatisant, en accélérant les processus grâce à la numérisation, mais en même temps en rendant le service beaucoup plus accessible, le numérique, quand il pénètre dans l'organisation, fait s'effondrer ce coût de transaction. Nous verrons donc dans cette partie quatre points importants. Le premier point important, c'est l'étape essentielle de toute numérisation des organisations, c'est l'accès à la data. Comment constituons-nous une reproduction du monde à travers sa numérisation? Les systèmes d'information, c'est un
La palissade de dire ça, les systèmes d'information travaillent principalement sur des données numériques. Donc, pour pouvoir numériser une organisation, pour pouvoir numériser un service, il faut que l'état de ce service soit constitué en une banque de données, en une data, et nous verrons que l'économie de la data est l'étape principale et l'étape essentielle d'une transition numérique. La deuxième partie consiste à rendre intelligent ces data. Ces data ne deviennent une information que si elles correspondent à une heuristique, à une façon de voir le monde. Et donc la recherche dans les modèles de données, la capacité des algorithmes à reconnaître tel ou tel état, telle ou telle situation, c'est le deuxième enjeu majeur des systèmes d'information. Quand le numérique doit reconnaître, après avoir enregistré en data, une situation particulière, il lui faut un modèle de données. Il lui faut être capable de rassembler ces données en un sens particulier pour pouvoir prendre une décision. C'est toute la recherche en algorithmie, c'est toute la recherche en intelligence artificielle et en algorithmes prédictifs. Deuxième enjeu majeur pour le numérique, une fois que l'on a les data, pouvoir reconnaître les situations qui sont liées au processus et qui permettent de prendre une décision. Troisième élément, la dématérialisation, c'est-à-dire la dématérialisation totale des échanges. Quand un point A doit rencontrer un point B et s'échanger des informations, la dématérialisation totale permet une très grande flexibilité, une très grande ouverture et une très grande accélération des processus. Donc la numérisation bout en bout du processus est le troisième enjeu majeur, les dispositifs techniques qui permettent à cette transaction de s'effectuer. Quatrième élément majeur, c'est que ces trois transformations, la numérisation des services, est un facteur d'explosion des organisations. Progressivement, en se dématérialisant, les organisations se détachent de leurs contraintes réelles, de leurs contraintes matérielles, c'est-à-dire d'être positionnées dans un espace donné, d'ouvrir à telle heure et de fermer à telle heure. La dématérialisation détache l'organisation de ses contraintes matérielles. Et donc, progressivement, l'organisation explose, elle se décompose, elle se diversifie. On parle alors d'holo-organisation, c'est-à-dire d'organisation fantôme, une organisation qui n'a pas une matérialité particulière. Quatrième point important, cette holo-organisation transforme radicalement notre société, transforme radicalement les enjeux et les modèles qui s'étaient constitués pendant le XXe siècle. Si l'organisation, si le travail est dématérialisé, alors le poste de travail disparaît, alors la nécessité d'être à un lieu fixe à un moment donné disparaît, et c'est ce qu'on va appeler l'ubérisation de la société, du nom d'une société très célèbre, Uber, qui a complètement dématérialisé l'économie du transport de taxi en changeant complètement le modèle économique. Alors ce n'est pas elle qui l'a transformé, Uber n'est qu'une réalisation extrêmement efficace, extrêmement puissante de la numérisation des organisations, mais on va le voir ensemble, quasiment toutes les entreprises aujourd'hui qui nous entourent ont connu cette mutation d'ubérisation en transformant radicalement notre économie et donc la place que nous occupons dans cette économie et donc dans la société. Donc, cinq points importants qu'il faudra voir progressivement ensemble.